Eh bien, salut tout le monde, c'est Théo et on se retrouve pour un épisode de mon aventure suivie. Toujours plus de failles, de sang, tout ce que vous voulez. Donc, on va se lancer dans une caverne naturelle. Comme vous voyez, j'ai déménagé, j'ai commencé la forteresse, comme je vous l'avais dit. Là, j'ai mis le fer que j'ai récolté sur la route à cuire. Même fait une expérience, j'ai rencontré un clochard qui m'a donné une pelle en diamant et une pomme en or contre un diamant. Donc, je plutôt content. Alors on va tout de suite se chercher une grotte naturelle de préférence. Ah bah j'espère que elle est meilleure que celle que on avait rencontrée auparavant. J'ai l'impression qu'elles sont bonnes. D'ailleurs je vais juste manger ce que ma barre de faim est limite. Ah bah oui. Ah ouais, ça descend pas mal. Bon, on va juste explorer un peu les environs. Déjà dû faire ça, c'est vraiment bien. Je crois que ça va me faire presque 3 stacks de fer là. Je suis vraiment gâté. Cette map est vraiment remplie de fer. Alors, comme je vous ai dit à la fin de cette saison de l'aventure suivie, je vous donnerai la map en téléchargement, hein, bien sûr. Bon, ici y a rien. On va descendre, hein, je pense. J'espère pas tomber sur un loup-garou. J'ai réinstallé le mode More and Creeps. Et plus le mode Human Plus. Mais le mode Human Plus, je crois qu'il bug parce que j'ai toujours pas rencontré de PNJ de ce mode, quoi. Ah, ici aussi ça descend. Bon, bah, en fait. Je sais pas si vous entendez ce bruit. C'est un bruit de. Oh là là, les gens. J'aime pas ça du tout. Ah oui, il va y avoir du fight. Peut-être une mort même. J'espère pas en tout cas. En plus, j'entends les bruits. C'est ça le plus. Et de se dire. Bon, ici, y a rien. Ah si. Bon, ben, juste un. Je pense qu'on va descendre hein, quand même. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça m'inspire pas du tout. On va se mettre en sneak. Ah, autre avis, ça le fait si je tombe là dans l'eau. On tente. Allez. Oh punaise. Direct. Voilà. Bon. À mon avis, là-dedans, il va y avoir du fight, par contre. Contre ça, je vais juste le couper parce que c'est assez chiant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais faire. Voilà. Je vous mets une torche tout de suite. Allez, on récolte vite fait le fer, hein, ça je suis. C'est un peu le but des cavernes, donc ça vous pouvez pas vraiment m'en vouloir. Si vous allez dans une caverne et que vous récoltez pas le fer que vous trouvez, c'est que vous êtes pas très malin. C'est quoi ça? Franchement, j'ai peur d'y aller. Là, on va sauter. C'est quoi ça? Franchement, j'avais vu une lave, je veux dire, aussi mal faite. Enfin, un coulement de lave, quoi, aussi mal fait. Enfin, je trouve qu'il est un peu bizarre. Ça descend encore. Il y a de l'eau partout. Oh non. Ça, j'aime pas du tout, par contre. Voir les mobs comme ça et se dire qu'ils vont m'attaquer, ça me rassure pas du tout. Prendre du fer. On va vite fait voir ce qu'il y a là-haut. Faudrait que j'installe le mode Phoenix. Que quand j'avance avec une torche, ça éclaire en même temps. Ça m'éviterait. Oh punaise!
Oh là là. Je vous mets vite fait une torche et on va le fight. Parti. Mais il a la dalle lui. Vous savez quoi, on va se la faire tapette. Genre va le fail. Bon. Essayez, ils sont combien là? Oh punaise les gens. Ouf. Punaise, ils étaient beaucoup là où j'ai rêvé. Ils étaient au moins 3. Plus je crois même. Punaise, là ils m'ont bien fait flipper par contre. Faire des torches, voilà. Ouh là là. Bon, on va se remettre de nos émotions et on va continuer. On va aller par là une fois. Ah bah, beaucoup de fer. Bon, comme vous voyez, il y a du fight. J'espère juste ne pas tomber sur un loup-garou parce que un loup-garou, ça, c'est vraiment le truc que je crains le plus, j'ai envie de dire, en mob sur ce jeu. Parce que j'ai pas envie de dire, mais... Oh non, un donjon, les gens. Allez, je vous mets une torche. J'ai le temps de le tuer, mais... Allez, crème. Ouais, c'est un donjon. Allez, crève. J'ai pas envie qu'il spawn, en fait. Donc je sors mon épée vite fait. Allez, hop. Voilà, maintenant il spawn plus et je vais le casser. Allez! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ça, je prends. Ah bah oui, j'en ai pas encore fait fond. Ça va m'aider à faire de la TNT. Et un peu s'amuser. Ça, je prends. Et le son. Voilà. Bon, bah, c'était un bon donjon, hein, merci. Allez, hop. On continue. Et là, il y a tout le temps du fer. Hein. Je suis vraiment, vraiment très chanceux. C'est une crevasse, ça, les gens de fou. Bon, on va retourner en arrière. Ah oui, c'est les nouvelles crevasses qui ont été ajoutées à la 1.8. C'est des grandes crevasses, je crois qu'il y en a 3 ou 4 par map. C'est quelque chose comme ça, il me semble. C'est vraiment impressionnant. Passer par là, allez. Ouais, je me disais bien que j'étais passé à côté de fer. Bon, ça va, je trouve qu'elle est quand même calme cette grotte. Il n'y a pas de d'ogre, etc. comme la dernière fois. Yep. On retourne en arrière. Ah bah oui, c'est quand même un beau ravin, un beau petit lac ici quand même. Aïe. Il me semble que je viens de par là. Il me semble, hein, j'ai bien dit. Ouais, je viens de là. Bon, j'aimerais quand même trouver du diamant ou de l'or. Car du fer c'est bien beau, mais du diamant et de l'or c'est quand même mieux.
D'accord, ici il n'y a rien. Ici pareil. Bon, écoutez les gens, on va se laisser. Je pense que cet épisode aura duré assez longtemps. Il aura quand même été pas mal. Je vous reprendrai s'il y a du fight, etc. Je vous reprends comme toujours, vous inquiétez pas. Donc, à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!